Bonjour à tous, on est content de vous retrouver sur notre chaîne YouTube. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une plante qui ne paye pas de mine, mais qui est beaucoup plus utile que ce qu'on en pense. Il s'agit d'Euphorbia hirta, qu'on appelle aussi main nommée en français ou milkweed en anglais, Jean-Robert Ali de La Réunion ou bien encore Demba Sinji en Bambara. En Bambara, cela veut dire littéralement lait du sein, sous-entendu maternel. Dans beaucoup de langues, le nom donné à cette plante fait référence au latex blanc qu'elle contient en abondance dans toutes ses parties et qui ressemble à du lait. Alors pourquoi vous parler de cette plante aujourd'hui? Eh bien, elle est souvent considérée comme une mauvaise herbe parce qu'elle pousse toute seule. Mais en fait, les mauvaises herbes n'existent pas. C'est un mauvais nom qu'on leur a donné parce qu'on pense qu'elles ne sont pas utiles alors qu'elles le sont. Et notre euphorbia fait partie de ces plantes. Au lieu d'utiliser ce terme, vaut mieux les appeler adventices. Les adventices sont des plantes qui sont tellement bien adaptées à leur milieu de vie qu'elles poussent beaucoup mieux que les légumes qu'on a semés. Les variétés de légumes qu'on sème ont l'avantage de nous offrir de gros fruits, mais le côté moins sympa est que ces légumes sont moins adaptés à leur environnement et donc plus fragiles. Euphorbia, elle, est une adventice parfaitement adaptée pour pousser facilement sans aide des humains. Un seul pied donne 3000 graines qui vont à 90% pousser. On la retrouve dans les champs, aux abords des routes et dans les jardins des régions tropicales, en Afrique, en Inde, en Chine, au Japon et plein d'autres pays comme le Mali. Ce qui est génial avec cette plante, c'est que c'est une plante médicinale qui est utilisée contre un tas de maladies. Les scientifiques ont fait beaucoup de recherches et ont confirmé les propriétés rattachées à cette plante par les humains depuis des siècles. La plante est réputée, et c'est confirmé par les scientifiques, je vous le dis, elle est réputée pour stimuler la production de lait maternel. Elle est là pour traiter les troubles, les parasites intestinaux. Elle est là pour traiter les troubles respiratoires tels que l'asthme, la bronchite, le rhume des foins, la toux et les rhumes. Elle traite aussi la cataracte. Et oui, avec le latex, on le met dans l'œil et quand la cataracte est juste au début, elle est juste apparue, on met des gouttes pendant plusieurs semaines et ça va réduire la cataracte, ça va même l'enlever. La dernière grande propriété de la plante, c'est qu'elle traite les infections cutanées telles que les verrues, les aphtes, les infections fongiques. Elle a aussi des propriétés antiseptiques et aussi anti-inflammatoires et cicatrisantes sur les plaies des bras et des jambes. Super, n'est-ce pas? Donc voilà en quelques mots les choses que j'avais à dire sur cette plante qui passe inaperçue et pourtant qui est super importante. Donc maintenant, quand vous la croiserez dans votre jardin ou sur le bord du chemin, ne l'arrachez pas. Coupez-la et faites une tisane avec. Le goût n'est pas super, mais avec un peu de menthe ou de citronnelle, ça passera facilement. Si vous avez un poulailler et que vous avez des poules qui sont malades, donnez-leur Euphorbia hirta. C'est un antibiotique naturel qui va les guérir. Sachez que les poules raffolent de cette herbe, donc il n'y aura pas de difficulté à leur donner. Si vous voulez en savoir plus, il y a plein de documentation sur Internet. Merci et à bientôt. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle a été utile et intéressante pour vous. À bientôt les amis.